Bonjour à vous, les petits rats de bibliothèque. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir tous les livres que j'ai lus pendant le mois de juin 2016? Comme vous le savez, si vous suivez nos vidéos, fin mai, on est allé aux Imaginales à Épinal, un salon du livre qui est centré sur la lecture de l'imaginaire. Du coup, on est reparti avec plusieurs romans, notamment La Stratégie des As, que j'ai lu. Je vais vous en parler dans une vidéo dédiée un peu plus tard, et même, attention, je vais en parler avec Timothée. Ouais, Timothée, il a lu des romans, vous imaginez ça? Alors, là on est dans un monde fantastique, un peu steampunk, et l'histoire, c'est plus une histoire de cambriolage, on va dire. Mais je vous en parle très vite, un peu plus en détail. Autre livre acheté et découvert aux Imaginales, c'est Le 7ème guerrier mage de Paul Beorn. Je pense que Timo a juste flashé, alors je ne sais pas si c'était sur la couverture ou sur le résumé, enfin j'en sais rien. Bref, il a pris, il m'a dit « ça t'intéresse que je le prenne, on le lira comme ça ?» Je fais « ouais carrément, ça faisait un petit moment que j'avais envie de le lire ». Du coup, bien évidemment, on l'a dévoré, et une fois de plus, on vous fera une vidéo dédiée, et du coup je vous en parle pas trop. J'ai aussi lu La Voix des Oracles d'Estelle Fay, une autrice que j'aime beaucoup. J'avais lu Porcelaine d'Aile, je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit que j'avais énormément adoré cette espèce d'univers, d'ambiance onirique, une vraie ambiance de conte, donc si vous aimez ça, lisez-le, il est vraiment très bien. La Voix des Oracles, quant à lui, c'est un livre qui se passe dans la Gaule, parce que c'est à l'époque, oui, des invasions romaines, etc. Donc là, les Romains ont bien envahi la Gaule. On va suivre Tilla, qui est une adolescente qui a vécu un peu à l'écart du monde entier, au final, et qui va se retrouver embarquée dans toute une aventure qui va mêler les mythologies anciennes et un peu cet univers romain qui n'accepte pas du tout ses anciens dieux et ses anciens dieux païens. Une histoire très bonne, très bien menée, je trouve, en tout cas. C'est un livre jeunesse, par contre, donc c'est un vrai page-turner et c'est moins poussé, je trouve, au niveau du vocabulaire que Porcelaine, par exemple, mais ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de qualité dans ce livre. On a fait un stream dédié à ce bouquin avec Hélène de la chaîne Petite Elf. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos en dessous, donc n'hésitez pas à cliquer et à aller voir. On en a parlé pendant à peu près une heure. En fait, elle avait organisé un book club où on a lu en lecture commune avec plusieurs personnes ce livre, et à la fin on a fait ce live. On va recommencer normalement pour le tome 2, et sûrement qu'on fera encore la même chose pour le tome 3, donc n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur sa chaîne. Mais vous allez voir, j'ai lu aussi pas mal de comics pendant ce mois de juin, notamment Orphelin 2 et 3. Alors le 2 et 3, bien évidemment, parce que je vous ai déjà parlé d'Orphelin dans un autre de lecture, en vous disant que j'avais adoré et qu'il me tardait de lire la suite. En plus, c'est le genre de comics que j'aime bien parce qu'il y a un vrai début, une vraie fin. C'est une série qui sera en 4 tomes, donc il ne me reste plus qu'un seul tome à lire. J'ai très hâte d'en apprendre plus sur la vie de justement ces orphelins qui ont été récupérés par l'armée pour former une armée sans foi ni loi, enfin bref, un truc qui essaye de dérouiller ces espèces... Allez, je le dis, d'enculés d'aliens qui ont défoncé notre planète. Il me tarde de lire le 4ème tome. Autre comics, j'ai enfin succombé à Jupiter's Legacy. Ça faisait un bon moment que Timo me rabâchait les oreilles en me disant « Mais si, tu verras, c'est vraiment génial et tout. » Et à un moment, j'ai eu envie d'un comics, je suis allée voir dans la bibliothèque, je fais « Bon allez, je tente !» Et franchement, c'est top. Alors, lisez-le. Pour vous raconter très rapidement l'histoire, en gros, il y a eu un groupe de personnes qui a eu des pouvoirs, qui ont utilisé ces pouvoirs pour faire le bien sur la Terre, et nous, on va suivre leurs enfants. Et oui, et ça c'est plutôt intéressant, ils sont dans notre monde, on va suivre surtout un garçon et une sœur qui ont des trajectoires de vie assez différentes, et c'est superbement bien raconté, j'ai très hâte de lire la suite. On change complètement d'ambiance avec Le Cercle littéraire des éplucheurs de patates. C'est un livre qui n'est pas un livre de fantasy, qui n'est pas un livre de l'imaginaire. On en a beaucoup entendu parler, il y a un petit moment quand il est sorti, il a fait beaucoup de bruit. Comme souvent, c'est le genre de livre qui du coup me marque, on va dire, me rester au fond de mon esprit, mais je vais pas le lire de suite, je vais attendre un peu que la hype passe parce que ça me saoule sinon. Et j'ai adoré. Alors il faut savoir que c'est un roman épistolaire. Moi je pense que c'est la première fois que je lisais de bout en bout un roman épistolaire. J'ai souvent lu des lettres comme ça, des extraits on va dire de ce genre de livre. Et là au début ça m'a un peu rebuté, je me suis dit ah ça va être lourd, ça va être un peu long. Et en fait pas du tout. Je me suis pris d'affection pour tous ces personnages, pour cette autrice qui essaye d'avoir plus d'informations sur une histoire qui s'est passée sur une île un peu en Angleterre pendant la guerre mondiale. Et qui va en apprendre plus sur les habitants de cette île, qui va aussi se lier d'affection avec eux. Et moi, je me suis vraiment sentie engagée dans cette histoire, je vous recommande vraiment de lire ce livre. Et je termine encore, et oui, par un comics, j'en ai lu pas mal, mine de rien, ce mois-ci. Il s'agit de Nailbeater. Nailbeater, c'est un comics qui est édité chez Glénat. Une histoire qui parle, en fait, d'une ville dans laquelle il y a eu 16 tueurs en série.
On se dit au départ peut-être qu'une coïncidence, et en fait on voit qu'il y a une personne qui a enquêté et qui s'est dit non, c'est pas possible, c'est pas une coïncidence, il y a sûrement quelque chose qui a fait qu'il y a eu autant de tueurs en série dans cette ville, je vais chercher, et sauf que ce mec, eh bien, il a disparu. Ça, c'est le point de départ plus ou moins de cette aventure, j'ai adoré le lire, c'est Timo encore une fois qui me l'a recommandé, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire une vidéo dédiée tous les deux sur cette histoire. Comme je vous l'ai dit pendant la vidéo, ce mois-ci, il y a pas mal de livres où je vais vous faire des vidéos dédiées, et surtout pas mal de livres qu'on va faire avec Timo, parce que oui, on s'est dit quand même, on a une chaîne à deux, ce qu'on va s'obliger à faire au fur et à mesure, c'est qu'on va vous présenter chaque mois un comics ensemble et un roman au minimum ensemble. Ce mois-ci, vous avez beaucoup de chance parce que les Imaginales ont un peu embarqué Timo dans cet univers de fantasy et ils l'ont, comment dire, pas forcé, mais l'ont poussé à lire de livres qu'on va présenter ensemble et j'ai hâte. Du coup, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires aussi et on se revoit très vite sur une prochaine vidéo. Et on va on met une armée, justement, hein, c'est nul. Ouais, c'était nul. Ouais, c'est... Je raconte trop et je me perds. Oui.